Et bonsoir, bienvenue sur Indécent Podcast. Nous sommes le mardi 7 mai. Incroyable. De plus le temps avance et plus j'arrive à me souvenir des dates sans trop regarder l'agenda qui est là. Ça devient fou cette émission, vraiment. Bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel entretien indécent juste avant l'hebdo. On avait déjà fait le coup la semaine dernière, je crois, de mémoire. Je perds un peu la boule, là. C'est pas grave, tout va bien se passer. Bien évidemment, bah ce soir, vous savez qui va être l'invité. Par contre, je ne savais pas avec qui je vais faire l'interview. Donc je le fais rentrer tout de suite, mon collègue du soir. Regardez-le. Le sémillant Emmanuel. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Ah bah écoute, pareil, J'espère oui. que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, Fred. Ouais, nickel, nickel. Et puis en plus, je vois qu'il y a Elwinard qui est déjà connecté. Donc ouais, salut à Louis. Et puis bah, toutes celles et ceux qui Formidable. arriveront. Et comme d'hab, bah, vous pourrez aussi nous réécouter sur YouTube dès demain. C'est ça aussi l'avantage de l'Internet 2.0. Truc de dingue. Exactement. Ouais. Bah écoute, toi tu sais qui on reçoit, d'ailleurs le fond d'écran le montre déjà un petit peu, hein. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, on commence Beaucoup de ainsi. mystères. Ouais, grave, oh là 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 là, ce mystère tellement bien gardé. Oh. Donc on va tout de suite faire entrer l'invité du soir. Bonsoir Antoine. Et bonsoir. Salut Antoine, bienvenue. Ouais, Merci. bienvenue sur la chaîne. C'est vrai que bah voilà, on s'était fait l'interview au Fige, à Cannes, Ouais, tout à qui fait, était il y a sympa. quelques semaines, ouais. Ouais, moi même. Parce que ça passe vite, hein, mine de rien. Ouais, bon, on peut dire encore quelques semaines, ça va. Ouais. Mais là, c'est vrai que du coup, sur la chaîne, c'est la première fois. Donc, bah, écoute, on est ravis de t'accueillir le petit live. Merci. Et puis surtout, voilà, on va pouvoir discuter d'un de tes jeux de rôle. Parce que tu fais pas Tout que à du fait. jeu de société, tu fais aussi pas mal de jeux de rôle. Ce qu'on disait, mais qu'on s'était un peu gardé sous le coude, quoi. Exactement. Et oui, parce que c'est pour un jeu de rôle qu'on te reçoit ce soir. Et en l'occurrence, c'est pour Petite Sorcière qui est en cours de financement participatif sur la Exactement. plateforme Game on Tabletop, si je ne dis pas de bêtises, et c'est édité Même. par Matago Édition. C'est exactement ça, ouais. Très bien. Alors, bah écoute, d'abord, on est ravis de te recevoir. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi, et d'autant plus pour discuter de jeux de rôle. Petite Sorcière, ceci dit, ça parle sans doute à certains de nos plus anciens auditeurs ou téléspectateurs, parce que c'est la réédition, c'est une nouvelle édition d'un jeu qui a déjà existé, en fait, qui a déjà eu une première vie. Ouais, Voire plusieurs complètement. vies. Ouais, même, ouais, on en parlera un petit peu, même plusieurs vies sur une, sur un, on va dire, sur une étendue temporelle d'à peu près 23 ans, parce que si j'ai bien regardé, la Déjà. première édition est de 2001, la première version en ligne à l'époque où Internet Ouais. balbutiait et on pouvait déjà, les releases partageaient déjà des scénarios et des jeux amateurs, et ça date de 2000, ouais, 2001, donc 23 ans, allez, 23 ans. Ouais, je Et me rappelle plus. c'est effectivement cette première édition amateur, entre guillemets, qui entre nous n'avait que le nom d'amateur, hein, parce que le niveau de qualité était déjà au rendez-vous. Donc Petite Sorcière a vécu sa première vie sous cette forme, en fait, un jeu de rôle amateur qu'on pouvait télécharger totalement gratuitement. Ouais, tout à fait, ouais. Et que tu trouves encore d'ailleurs, si tu fouilles, il y a encore des Tout à liens fait. actifs de cette version-là. Sur mon ancien site, puis sur sans doute dans quelques archives rôlistes de l'époque. Je sais qu'il y avait beaucoup le site de l'Elfe Noir à l'époque, Oui, où les ouais, participants Zden, ouais. partageaient pas mal de scénarios, et j'avais aussi posté Bah, là-dessus sur à l'époque. lequel on s'est rencontrés d'ailleurs. Tout à fait, ouais, complètement, C'est c'était comme via ça qu'on le s'est rencontrés à Zden. l'époque, ouais. Sur le Sden, sur la rubrique Château Falkenstein, pour être précis. Tout à fait, ouais. On Ouais, c'était écrivait tous les deux des scénars super pour ce site. jeu. Ouais, c'était un super site, le Zden. Moi, j'y allais régulièrement aussi à l'époque. Et Petite Sorcière avait réussi à l'époque à avoir une communauté qui était très très active, large, très active, qui publiait beaucoup de matériel, de scénarios, etc. Tu avais Ouais, vraiment réussi à, t'avais vraiment réussi à, comment dire, à fédérer du monde autour de ce projet, quoi. j'étais le premier surpris parce que je l'avais vraiment posté sans aucune volonté spécialement de que ça en fasse quelque chose. C'est juste que c'était écrit, c'était à peu près maquetté parce que mon épouse, qui n'était pas mon épouse, était graphiste de formation, donc elle avait pris le temps de me faire une maquette à peu près propre. Donc c'est vrai que pour une proposition, un jeu amateur, c'était assez carré, assez fini, en tout cas pour les standards de l'époque. Maintenant, les standards, bien sûr, un peu augmentés. Mais pour l'époque, ouais, c'était quelque chose d'assez.
pas pro, mais on va dire d'assez ficelé. Et le jeu avait rencontré un petit succès, notamment via ces sites que je fréquentais à l'époque. Il y a pas mal de joueurs qui avaient effectivement mené, qui avaient proposé des aides de jeu, des scénarios, et voilà, tout ce qu'on retrouve autour dans une petite communauté de jeux de rôle. Ouais, alors qui s'était pas mal d'ailleurs agrégé autour de la convention, la CJDRA, la convention des jeux de rôle amateurs qui se déroulait, voilà, où on s'est croisé, Tout à et fait, où tu as fait jouer du Petite Sorcière. Moi, ouais, j'ai un complètement. souvenir ouais, très ému de ce jeu parce que tu sais que c'est avec ce jeu qu'avec mon épouse, on a fait jouer la première fois nos filles au jeu de rôle. Voilà. Et voilà, donc elles ont joué toutes les deux. J'ai deux filles qui aujourd'hui sont grandes, hein, mais elles ont Eh joué pour la première fois au jeu de rôle à leur demande à Petite Sorcière. Donc c'était très sympa. Et l'autre fois, on a eu un grand moment de nostalgie puisqu'on est retombé sur leur fiche de perso avec le dessin de leur petite sorcière, etc. Donc c'était Ah, vraiment c'est toujours super. chouette quand tu retrouves les vieilles feuilles de perso. Tout à fait. C'est ça. Bon, mais donc là, c'était cette première version amateur. Le jeu a connu une première vie professionnelle. Ouais, du coup, le jeu est tombé sous les yeux de 7e Cercle à l'époque, qui pour le coup, c'était pas vraiment dans. S'ils avaient une ligne éditoriale, c'était pas vraiment dedans, hein, parce qu'ils faisaient plutôt on va dire, des trucs un peu sombres et sérieux. Oui, bah c'était l'éditeur de culte à l'époque, tu vois, Ouais, donc voilà, on n'était pas deux salles, deux ambiances, hein. Clairement. Et du coup, ils avaient quand même bien flashé sur le jeu. Ils m'ont dit, bah, nous, ça nous intéresse, on ferait bien une édition en vrai papier, en bois d'arbre, quoi. Et il y a eu cette volonté de faire quand même un petit format, donc de rester sur un 48 pages de format carré pour vraiment faire un petit livret que tout le monde puisse lire assez facilement. Sachant que pareil, là maintenant c'est moins le cas, mais à l'époque il y avait surtout des grosses gammes et des gros pavés, hein, ça se faisait pas trop, les petits jeux courts, il n'y en avait pas tant que ça, en tout cas en francophonie, hein, je connais pas tout. Donc il y avait vraiment cette volonté de garder le petit format et de pas rajouter des pages et des pages. Donc ils ont sorti un premier livret, alors j'ai plus les dates, je crois que c'était 2006, mais je suis pas certain, ça doit se retrouver. Et comme ça a plutôt bien fonctionné, après on a fait un deuxième livret avec du complément d'univers, du scénario. Il y a eu deux petits livres que j'ai ici d'ailleurs, parce que je les ai ressortis de mes archives. Alors j'ai pas les premiers. Ah si, c'est marrant parce qu'on voit la différence de couverture entre les deux tirages, c'est pas du tout la même couleur. Je sais pas si Oui, on voit. ouais. On voit que c'est pas du tout la même couleur. Ah, voilà, ça c'était les deux premiers volumes, les deux volumes qui sont sortis. Attends, hop, J'ai, voilà, hop, comme ça j'ai. voilà. Faut que je mette à la même hauteur. Ouais. Bon, c'est pas la première édition, je sais plus lesquelles c'est dans mes archives. Il y a eu ces deux livrets de 48 pages C'est carrés, qui ça. étaient illustrés donc par Arnie West, qui est un copain, et qui est mis en couleur et maquetté donc par Albertine Radanti. Par Herbertine, ouais. Et d'après ce qu'on voit donc sur la préco, c'est toujours le dessin d'Arnie West qui est repris. Ouais, Toujours, tout à toujours, fait. euh, toujours mise en couleur par Albertine Ralenti. Ouais, donc ça a été repris de la version américaine qui du coup s'appelait Little Wizard, qui est sortie il y a quelques années. Je les ai rencontrés via le Salon d'Essen parce qu'ils faisaient aussi un peu du jeu de société. Ils étaient à Essen. Donc eux, ils ont réuni en un seul bouquin les deux livrets, mais en gardant la maquette et les illustrations, effectivement, qui est Ouais, toujours ils là. sont très sympas. Et ils ont aussi un peu dépoussiéré le système, rajouté deux, trois petits trucs, rajouté peut-être il y a un scénar aussi en plus qui n'était pas. Enfin, ils ont un peu polish ça parce que ça fait déjà quelques années. Et c'est cette version-là qui resserre de base aujourd'hui pour la nouvelle VF, alors croisée avec la version française de Metex, parce que forcément là c'est en anglais. Ouais. Et On donc sort le chez. jeu s'est appelé Contes ensorcelés chez 7e Cercle. Ouais. Pourquoi ça s'est fait d'ailleurs? Ils ne voulaient pas du nom Petite Parce Sorcière qu'en fait, dans la première version, la version que j'avais postée sur Internet, tu pouvais vraiment jouer que les filles, que les sorcières. Et après, comme j'ai développé l'univers et que j'ai créé le pièce-monde, en gros, il y a une face où la magie est contrôlée que par les filles et c'est de la sorcellerie. Et sur l'autre face, il y a de la magie un peu plus académique avec des grimoires et de la poussière. Et il n'y a que les garçons qui maîtrisent cette magie. Donc ça joue un peu sur cette dualité des deux côtés. Donc du coup, ils ne voulaient pas garder petite sorcière pour pas réduire qu'au fait que tu pouvais jouer les sorcières, mais que tu pouvais jouer aussi des garçons de l'autre côté donc de ce monde en forme de pièce, avec bien sûr les pratiquants de la magie avaient la capacité de changer de côté et donc de créer des interactions qui étaient plutôt rigolotes entre les deux types de magie, quoi. Et pour la petite histoire, du coup, en anglais, ça s'appelle Little Wizard, donc c'est plutôt sur le terme, on va dire, plutôt masculin. Et là, ils sont revenus à Petite Sorcière, qui est le nom original de la première version. Ouais. Et en allemand, ils ont gardé. Alors c'est marrant, en allemand, j'ai la version allemande, c'est tout en allemand, mais ils ont gardé Little Wizard en titre, par exemple. Ils n'ont pas traduit le Marrant. titre en allemand. Alors après, c'est tout en Ouais. allemand. Et c'était en couverture rigide en Allemagne. C'est quand C'était même un univers qui 2005. a eu. Ouais.
2005 hein, pour la version. Ah, tu vois, j'ai 2005-2006. Ouais, ouais. Eh ben, dis donc. C'est marrant parce que ça a bougé, ouais. Ça fait des allers-retours, c'est allé aux États-Unis, c'est revenu en Allemagne, puis là, ça revient en France. Donc, c'est assez rigolo le parcours qu'a eu ce jeu. Ouais. Mais c'est qu'il y a une vraie proposition et que le jeu a trouvé. Enfin, c'est quand même pas. Enfin, tous les jeux n'ont pas une traduction en allemand et en anglais, quoi. Hein, encore aujourd'hui. Ouais, clairement pas. Non, c'est super chouette. Et c'est aussi parce que, donc je sais plus en quelle année est sortie la version américaine, mais ça correspondait quand même un peu à l'essor du jeu de rôle, notamment grâce aux actual play, et du coup à l'arrivée des premiers jeux dits d'initiation. Donc effectivement, des bouquins un peu plus qui font un peu moins peur pour les gens qui veulent découvrir le jeu de rôle et qui n'avaient pas forcément envie de se fader des 400 pages de règles et de bestiaires avant de se lancer à une table de jeu, quoi. Donc c'est vrai qu'on est revenu avec cette vague-là, ouais. Alors si on revient à l'origine, enfin l'historique de Petite Sorcière, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé justement à faire un jeu d'initiation spécialement prévu pour les enfants, parce qu'il était dès l'origine rédigé pour permettre d'initier des enfants, hein, quand même. Ouais, est-ce que c'était déjà une réflexion que tu avais menée sur le fait qu'il n'y avait aucun outil d'initiation adapté au jeune âge? Est-ce que, voilà, quelle a été en fait la démarche qui t'a amené à ça? Bah, à l'époque, donc moi je fais encore beaucoup de jeux de rôle. J'ai écrit, comme tu as dit, on s'est rencontrés via des scénarios de JDR qu'on partageait. Donc j'avais écrit un peu de scénarios pour des jeux que j'aime bien, notamment Château Falkenstein que tu as évoqué, bien sûr. Et à un moment, bah forcément, moi j'aime bien mettre la main à la pâte, donc je voulais faire mon jeu, comme plein de gens, hein, c'est pas spécialement unique, mais comme je suis quand même pas forcément très, très, très à l'aise avec l'écriture en général, je m'étais dit, je vais pas me lancer dans un jeu à univers, à tiroir, avec du background de partout, un système de règles compliqué, donc je vais faire un jeu léger, et je vais faire un jeu pour faire jouer n'importe qui, donc effectivement des enfants, mais à l'époque, pas forcément que des enfants, plutôt des gens qui auraient envie d'essayer le jeu et qui n'ont pas envie d'arriver qu'il y a un MJ Warhammer avec deux piles de bouquins comme ça sur la table qui leur dit « Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est assez simple, le jeu de rôle. » Donc, voilà, ça plus le fait que je ne me sentais pas de me lancer dans un projet ambitieux, je me dis « Je vais écrire un petit jeu. » C'est pour ça que ça se passait sur un archipel, ça se passait d'abord même sur une île unique de l'archipel, pour vraiment garder tout à échelle très très réduite, que ce soit l'univers, que ce soit le système de jeu qui est très très simple. Et cet univers qui était clairement inspiré des longs métrages de Miyazaki, qui à l'époque n'était pas encore une méga star, même en France. Donc à l'époque, je m'étais dit, oh, je vais m'inspirer de Kiki la petite sorcière, parce que personne de toute façon connaît ça, donc pas de risque qu'on voit ma source d'inspiration principale. À l'époque, effectivement, oui. Ça a changé après, quoi. Mais à l'époque, personne ne connaissait encore Miyazaki en France, quoi. Et donc la source principale, même si le jeu s'en détache, hein, après, c'est quand même le Kiki la petite sorcière, qui est un des vieux longs métrages de Miyazaki, quoi. Et la petite question qui va avec, c'est là maintenant c'est Matago hein, qui édite, qui va éditer le jeu, en financement. Hein. Et ça s'est fait comment justement, le fait que ce soit Matago qui reprenne l'édition? Eh ben écoute, ça s'est fait, ça s'est pas fait à mon initiative. En fait, donc l'éditeur américain qui s'appelle Crafty Game, à un moment avait prévu, il m'en avait informé qu'il allait céder finalement le contrat éditorial à l'éditeur allemand qui s'appelle Gengorias, notamment parce que c'est l'éditeur allemand qui était le plus moteur de création de nouveaux contenus et qui poussait le plus le jeu. Donc il s'est dit, en bonne intelligence, il s'est dit, vu que vous avez plus de temps et d'énergie à y mettre, ce qu'on vous propose, c'est de vous transférer gracieusement le contrat et que vous continuez d'exploiter. Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé aux oreilles de Matago, qui en a profité pour dire, nous, ça nous intéresse bien quand même que c'était un jeu français, ça nous intéresse quand même que finalement il y ait une version française aussi, parce que c'est un peu dommage pour un jeu écrit à la base en français qui n'existe plus qu'en allemand et en anglais. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont sauté dans le bateau et qu'ils ont décidé de faire de proposer en tout cas cette nouvelle édition en français. Et t'as été mis dans la boucle très rapidement, du coup, quand ils ont négocié? Oui, mais alors, si tu veux, c'est pas moi. Du coup, moi, j'ai pas spécialement réinvesti du temps et de l'énergie sur le projet, hein, vu que cette édition existait déjà. Je sais juste qu'ils ont récupéré ma version française, parce que pour ne pas juste retraduire de l'anglais vers le français, quelque chose qui est écrit en français à la fois, ils ont recoupé quand même avec ma version. Mais du coup, j'ai pas eu spécialement d'implication active dans cette nouvelle version.
D'accord. Enfin, à part celle que tu avais mise à l'origine, quoi. Ouais, voilà, voilà. Ouais. Mais après, ouais, quand même, mon quoi. Travail était à peu près fait, on va dire, à 95%, il était déjà fait à ce moment-là, quoi. D'accord. Bon, Matago fait du jeu de rôle hein, depuis longtemps. On lui doit pas mal de choses, notamment... Ouais, comment ça s'appelle? Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Comme il y avait Tedeum la V1. Voilà, Tedeum la V1, tout à fait. Tedeum, les chroniques... Pardon? Un truc qui s'appelait Corsaire de l'espace, non pas Corsaire de l'espace, un truc comme ça, c'était pas eux aussi, il me semble, une gamme de un truc un peu à Albator. Oui, oui. Metal Adventure, non? Metal Adventure, ouais, ça je me rappelle plus du titre. Je crois que c'est Metal Adventure, ils ont fait, comment dire... Route, le jeu de rôle. Route, c'est... Route, ouais. Ouais. Les Chroniques de Lost, plus récemment. Ça, c'est Open Sesame. Ah, d'accord. Mais okay. c'est des fois, c'est un peu... Des fois, on peut confondre les deux, effectivement. Et Crime V2, c'est bien Matago, non? Oui. J'ai la version V2 et je l'avais récupérée chez Matago, donc je pense que oui. Tout à fait. Okay. Je pense que c'est eux, ouais. Très bien. Donc voilà, donc ça veut dire qu'ils continuent donc, à développer leur gamme de jeux de rôle avec cette proposition-là, qui est clairement une proposition d'initiation slash petit jeu. Alors quand je dis petit, c'est pas du tout... Ouais. Ça n'est pas du tout péjoratif, hein. C'est vraiment dans le sens, comme tu le disais, il n'y a pas 350 pages de Bible à se fader, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Le jeu donc est sur Game On, ça y est, c'est déjà, je crois. Ouais, c'était. Il y avait quelques. C'était sur Game On Tabletop. Ouais, c'est ça, c'est sur Game On Tabletop. Ouais, de toute façon, Fred nous a prévu tout ça, il nous montrera bien sûr. Connaissant Fred et ses doigts magiques. Et donc, ouais, il est déjà financé, mais donc maintenant, la campagne continue. La campagne est jusqu'à quand? Écoute, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Je crois que c'est le 13 ou le 14. D'accord, 14 mai, effectivement. Ce sera le 14 mai à 17h. Une semaine, une bonne semaine pour ceux et celles que ça intéresse. Voilà, 6 jours, c'est marqué sur la page. Sachant que c'est une offre très simple, hein. Il y a une offre PDF en fait, une offre physique et une offre boutique. Enfin, tu peux le faire livrer livrer en boutique ou te le faire livrer en 50-50. Ouais, ça c'est bien ça. Tu payes 50 à la... pendant le financement et 50 à la réception en boutique. Tu le récupères, ouais, tout à fait. Ouais, ça c'est bien. Sympa ça. Voilà. Ouais. Et du coup, il est en boîte d'ailleurs, parce que ça, c'est quand même. Oui. Si moi, j'ai pas fait spécialement de trucs en plus, Matago, ils ont quand même fait, voilà, ils ont quand même fait un petit écran sympa, donc c'est la première fois, pour le coup, il y a eu pas mal d'éditions, c'est la première fois où il sera en boîte. Donc je crois qu'il y a les aides de jeu, du coup, sont sorties du bouquin pour qu'elles soient plus faciles à utiliser. Je pense qu'il y a des feuilles de perso déjà sorties du livret dans le petit bundle, quoi. Bon, avec en plus, bah, du coup, les deux livrets avec Petite Sorcière et Les Contes Ensorcelés. Ouais, du coup, le deuxième, ils ont mis Contes Ensorcelés sur le deuxième. Ouais. Ouais. Et c'est toujours Arnu West et Albert Tegrallanti aux illustrations, du coup. Tout à fait. Donc, c'est pas mal des illustrations de l'époque. Et il me semble que sur la version américaine, il y avait une ou deux illustrations rajoutées que l'éditeur américain avait demandé. Donc, on doit retrouver aussi dans cette édition. Ils avaient complété, quand ils avaient réuni les livres, ils avaient demandé... Arnu et Albertine de refaire 2-3 illustrations pour relier les deux bouquins ensemble. Mais c'est la couverture originale de la version éditée. Alors moi, j'ai la couverture ici de la version amateur, tu vois, que j'avais imprimée. Elle date de 2000, celle-là. C'est imprimé à l'époque. C'était compliqué. Il fallait aller chez l'imprimeur du coin. C'était même pas imprimé pour être en numérique. C'était relié à la spirale. Ouais. Et là, donc, c'était la couve de Jean-Florian Tello que tu as connu aussi. Je connais bien, oui. Qui avait fait les premières illustrations de cette version-là. Qui était... C'est vrai, qu'est-ce qu'elle était belle, cette illustration. Ouais, qui était très chouette aussi. Quoi. Voilà. Alors, c'est pas à l'ancienne, on appelle ça roots, tu vois, c'est mieux. ouais, mais c'est vrai que tu vois, pour faire imprimer de la couleur à l'époque, ça coûtait super cher, tu n'avais pas encore d'imprimante laser chez toi, donc il fallait aller au truc du coin, ça avait coûté une fortune, c'était même pas du recto verso, donc c'est super épais, alors qu'il n'y a pas tant de pages que ça. Ou travailler à l'éducation nationale à l'époque. Moi, pas encore, tu vois, j'y étais pas encore. Ah là là, bon, ça rappelle des souvenirs, tout ça, c'est un peu émouvant. Donc voilà, c'est ça, effectivement, le contenu de la boîte. Donc on a les deux livres, aide de jeu, les dés et fiches de perso. Voilà, c'est une super PDF. Proposition.
Pour un prix de fiant très concurrence. Ah oui. Ouais, c'est clair. Alors du coup, bah, on parle un peu plus du jeu en lui-même. Tu nous pitches un peu son univers. Donc, qu'est-ce que c'est que Petite Sorcière, où on joue et qu'est-ce qu'on y joue? Alors, dans cette version-là, on y joue soit des petites sorcières, donc des filles qui maîtrisent la sorcellerie exclusivement, c'est un truc de filles, la sorcellerie, soit des garçons qui maîtrisent ce que j'appelle la magie, mais dans le sens plus académique, où il faut bosser dans les grimoires et lire des sorts un peu à la mode donjon old school, quoi. C'est un peu plus. C'est vraiment deux approches. L'idée, c'était vraiment de mettre deux approches. Vraiment différente de la magie et jouer quand même sur les rivalités garçon-fille que tu as forcément à un moment de la préadolescence et tout. On est quand même très. C'est pas le moment où les sexes sont le plus mixés, on va dire. Et donc là, l'idée, c'était aussi de mettre un peu en scène cette rivalité fille-garçon. Alors, vraiment dans la bonne ambiance, parce que le jeu est vraiment. C'est vraiment un jeu feel-good, hein, quand même. Je suis pas sûr qu'on employait encore le terme à l'époque. Maintenant, ça se dit pas mal, les jeux JDR feel-good, mais je sais pas si ça existait. Donc, il y a effectivement jamais de confrontation, on va dire, physique ou violente, en tout cas. La plupart des scénarios, il faut résoudre les problèmes avec des approches non violentes, quoi. Que ce soit de la discussion, même des farces, ou ça peut être plein de choses. Et donc, l'idée, c'était vraiment de jouer ces personnages, donc sorcières ou mages. Et une des particularités du gameplay, c'était que au moment où tu crées ton personnage, tu crées aussi un familier. Donc un chat noir, un corbeau, une chouette, pareil, tous les grands classiques, l'animal que tu veux, qui a une vraie personnalité et qui parle, et ce familier est joué par ton voisin de table, en fait. Donc chacun joue le familier du personnage d'à côté, et ça donnait lieu à des trucs plutôt rigolos, parce que forcément, tu avais tendance à aller chambrer le personnage, et tu pouvais le chambrer via son familier, et ça créait des trucs que je trouvais vraiment très très sympas en termes d'ambiance de table, et je trouve que c'était une chouette idée que je n'avais pas vue à l'époque en jeu de rôle. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existait pas, hein, bien sûr, mais à l'époque, je n'avais pas vu. Donc voilà. Et donc l'univers, c'est en gros. Donc le pièce-monde, c'est un monde plat double face. Sur la face supérieure, il y a de la magie, il y a de la sorcellerie qui est maîtrisée que par les filles et les femmes. Et sur l'autre face, il y a donc de la magie académique qui est maîtrisée que par les garçons et les hommes, quoi. Et bien sûr, les magiciens, eux, ont la capacité de changer de côté pour se mélanger lors des aventures. Et dans l'ensemble, c'est quand même un univers qui est plutôt, comme je disais, feel good, très coloré. On est vraiment, ça reprend quand même les grands univers de Miyazaki aussi, à savoir les environnements sont plutôt, la nature est à l'honneur. Il y a des villes, mais il n'y a pas de pollution, pas encore. On est un peu dans les images d'Épinal qu'aime bien Miyazaki des villes italiennes de l'époque qu'on peut voir dans Kiki ou dans Porco Rosso aussi également. Quoi. Alors, ça reste toujours dans le feel good, mais du côté face, côté, c'est quand même un tout petit peu plus dark, mais vraiment dark, dark dans le sens Halloween gentil. Hein. Ça reste très, 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 très cool, quoi. Mais il y avait quand même cette petite opposition, et il y a 5 archipels de chaque côté du pièce-monde, et ils ont chacun leur équivalent, ils ont leur opposé, un tout petit peu plus dark du côté face, mais vraiment. Plus dans une ambiance scary à l'Halloween que vraiment dark, quoi. Ouais, c'est pour ça, on a deux exemples avec l'archipel des steppes et l'archipel des frissons. Ils se font un peu écho, quoi. Oui, donc c'est vraiment jouable avec tous les âges. C'est-à-dire que, on peut se faire un petit peu peur, mais comme tu le dis. Oui, ça reste très très. Pas vraiment plus qu'avec un épisode de Scooby-Doo, quoi. Ouais, voilà, ouais, on n'est pas vraiment. On dépasse pas ce niveau de peur, en gros. Ouais. Ok. Avec un drap blanc et la lumière en dessous, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est top. Ok. Et l'approche de ce JDR, qui est notamment, parce que tu le dis, c'est pas que pour eux, mais c'est notamment à destination des enfants. Comment tu as approché ça en termes notamment de système, de création, de design, comment tu as travaillé cet aspect en fait pour que le jeu soit jouable à tout âge? Ben, à l'époque, j'ai vraiment fait ça de façon intuitive parce que moi, j'ai pas d'enfants et dans les groupes que j'ai, dans tous les premiers groupes de tests, en fait, c'était des adultes. Hein. J'ai pas eu l'occasion au début de beaucoup tester avec des enfants.
Et ce qui était intéressant, c'est à partir du moment où j'ai mis la version en ligne et qu'elle a été reprise par une communauté, par contre, j'ai des gens qui sont revenus vers moi, qui ont commencé à faire jouer, soit avec des enfants, parce qu'eux en avaient autour d'eux, moi j'en avais pas encore. J'ai notamment eu des instits aussi qui. J'ai souvenir d'un instit qui avait joué en classe, qui avait enregistré en plus, il faisait un module radio en même temps, donc il avait enregistré des morceaux de partie, il m'avait envoyé des morceaux de partie qu'il avait joué. Et donc après, je sais que j'avais affiné avec des retours de ces gens-là. Mais je t'avoue que je l'ai fait vraiment de façon intuitive en disant, bon, voilà, je vais rester dans des trucs très très simples. Et faut pas que voilà, faut pas qu'il y ait un apprentissage du système, c'était pas le but. Faut qu'on puisse plonger directement dans l'univers, quoi. Mais je l'ai pas vraiment expérimenté en direct vu que j'avais pas ce public-là. Mais à nouveau, à l'époque, mon objectif, c'est pas de faire un jeu 100% pour les enfants, c'est vraiment de faire un jeu léger, cool. Que tout le monde peut jouer, et donc par extension accessible aux enfants. Mais tu vois, il n'y a pas cette volonté de dire c'est un jeu uniquement pour les enfants, attention, n'y trouvez pas quelque chose d'autre. Moi, j'ai fait vraiment un truc ouvert, et l'idée c'était que des gens s'y retrouvent, et il se trouve que ça colle bien de par les inspirations et le système pour les enfants, mais c'était pas orienté enfant quand je l'ai écrit en tout cas. D'accord. Et Ok. bah justement, sur cette partie avec les enfants, parce que c'est quand même quelque chose qui est important, hein, qui est un marqueur fort, hein, du jeu, est-ce que des plus jeunes, justement, peuvent facilement se l'approprier au niveau de la lecture, des règles, etc., ou il vaut mieux un adulte qui drive un peu? Bah, je dirais que c'est un peu comme tout. Si c'est des enfants qui n'ont jamais joué, ça va être drivé par un adulte dans un premier temps. Mais après, effectivement, si. Alors, je sais que moi, quand j'ai fait jouer un peu de jeu de rôle à mon enfant, très rapidement, il a voulu mener une partie. Hein. Ce n'était pas ce jeu-là, en l'occurrence. Mais donc, je pense que si les enfants qui le sentent, il n'y a pas de souci. Parce que, en termes de règles, c'est très simple. Ça se joue avec des D6. Il y a très peu de caractéristiques et de compétences. C'est vraiment très, très simple. Donc, c'est faisable. Après, j'imagine que, comme tout, la première fois, c'est quand même mieux quand c'est guidé par un adulte pour savoir ne serait-ce où tu mets les pieds. Mine de rien, distribuer le temps de parole, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer avec des jeunes enfants. C'est très, très chouette de faire du JDR, mais qu'il faut quand même un petit peu, faut quand même un petit peu arbitrer et donner la parole à tout le monde parce que ça part vite dans tous les sens sinon. Donc, c'est quand même mieux dans un premier temps quand c'est guidé. Mais oui, j'ai des échos de gens qui m'ont dit après, ouais, les enfants, alors c'était des enfants déjà un peu plus grands, ont en tout cas mené et joué entre eux, ou faire jouer les parents, c'est quand même aussi super chouette, tu vois, quand t'es gamin, à un moment, de passer de l'autre côté et faire jouer les adultes, c'est aussi une super expérience. Ouais, j'imagine, ouais. Et bah justement, au niveau des règles et de la création de perso, tu peux nous en parler un petit peu rapidement? Alors, c'est vraiment très 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 simple, tu as trois caractéristiques. Et tu as quelques compétences, notamment les compétences qui sont liées à la magie, donc qui ne sont pas les mêmes pour les garçons et pour les filles. Je ne sais pas si tu as un visuel de la feuille de perso, ouais, pour suivre, ça serait comme ça, Attends, je vais essayer de voir je s'il l'ai y en a une. Non, il n'y en a point. Moi, je te le fais, hein, si tu l'avais, c'était. Caractéristiques, tu as juste corps, cœur et méninges, en gros. Et tu as des compétences qui sont liées à tes pouvoirs magiques. Donc pour les sorcières, c'est ballottage, qui correspond à ton aptitude à piloter un balai, évidemment. Et enchantement, qui est la compétence qui te permet de faire des sorts. Et pour les sorciers, c'est l'alchimie, la métamorphose et l'invocation, pardon. Et tu avais aussi l'alchimie pour faire les potions pour les sorcières. Donc tu as vraiment très peu de compétences. L'idée après, c'est que tu fais tout avec la caractéristique. Si tu fais une acrobatie, bah, c'est juste du corps et on n'a pas besoin de compétences. Donc c'était vraiment, à part la magie qui avait un peu de règles, et effectivement, il y a quelques listes de sorts aussi pour s'inspirer et donner des idées. Le reste, c'est vraiment tout avec les trois caractéristiques et des D6 et on s'embête pas plus que ça. Et je t'avoue que moi, c'est un truc qui dans ma pratique rôliste où plus je vieillis, pire c'est, je lis de moins en moins des règles et quand j'ai envie de savoir ce qui se passe. Je lance un dé, puis plus c'est favorable, plus j'adapte la situation et la narration au jet de dé. Et plus je vieillis, moins Voilà. je dans les jeux de rôle, en fait, quoi. Voilà, j'ai enfin la fiche de perso. Tu dois s'appeler des traits, d'ailleurs. Tu vois, je ne me rappelais même plus, ce n'est pas des caractéristiques, c'est Ouais. des traits. Corps, cœur, esprit, les pouvoirs communs. Tu as juste les compétences pour la magie, quoi. Et tu Ouais. pouvais, après, avec l'expérience, tu pouvais développer des compétences plus tard, du genre, si vraiment tu faisais des acrobaties tout le temps.
tu avais le droit de prendre après la compétence acrobatie qui te donnait quand même une meilleure chance de réussite quand tu faisais des acrobaties. C'était Et vraiment. une grande partie de description, en fait, hein, avec ces petites affaires de sorcier. T'as fait Ouais, pareil. clairement, ça marche bien avec les enfants. Toi, Ah ouais. ils ont plus de facilité à dire comment ils sont habillés, ce qu'ils ont, que finalement à projeter les compétences, où finalement c'est des choses que tu fais de façon intuitive et t'as pas vraiment de réflexion sur ce que tu aimerais faire en termes de compétences. Ils sont plus à l'aise pour te dire, ah bah oui, j'ai un chat, forcément, il s'appelle Gustave et il a une moustache de travers et il est rigolo parce qu'il fait des blagues ou quoi que ce soit. Donc bon, j'essayais quand même de laisser plus de place à ça. Mais t'avais quand même un système d'expérience avec des points d'expérience qui est sans doute un peu old school maintenant, mais bon, à l'époque, à nouveau maintenant, tu as plein de jeux qui proposent des systèmes d'expérience ultra différents. À l'époque, je t'avoue que je voyais pas d'autres systèmes que cumuler des XP et à un moment les dépenser pour améliorer ton personnage, parce que bah, tout le monde faisait comme ça aussi, quoi. Bon, ça marche, hein. De toute façon, c'est toujours Et efficace, hein, donc j'avais juste fait un ouais. système assez simple, il y avait pas, tu cumulais pas des tonnes d'XP non plus, mais c'était quand même le principe de j'accumule de l'expérience et j'utilise. Mais ça, à nouveau, ça marche quand même très très bien avec les enfants aussi, en fait, Mais ce que que j'allais dire, ouais. t'es accumulé et à un moment, tu as assez pour débloquer un nouveau truc. C'est quand même un truc qui est très engageant, autant pour les grands que pour les petits, quoi. Il y a Elwinard qui pose la question, c'est à partir de quel âge? Alors moi, sur la page du financement, j'ai vu entre 7 et 10 ans. Ouais, c'est ça, ils ont dû mettre ça. Ouais, j'allais dire, enfin, moi, je sais que le jeu de rôle, mon gamin, j'ai fait commencer vers 6-7 ans. Ouais. Je pense que c'est un bon âge. C'est l'âge où ils sont hyper curieux, là, quand ils arrivent en primaire, au CP et tout, qu'ils ont plein d'imagination et qu'ils peuvent rester autour d'une table, on va dire, aller jusqu'à peut-être 1 heure pour les plus patients. Ça dépend des enfants. Donc, c'est le bon âge, je trouve, pour commencer quand ils arrivent en CP, CE1, là, que. Ils ont beaucoup travaillé la narration, les classiques, les livres, ils ont lu des livres pour enfants, donc ils arrivent facilement à se projeter dans un imaginaire sans forcément avoir des supports visuels très importants, quoi. Et je Il y a une regarde. autre, il y a une autre question très intéressante d'Elwinark qui nous demande, est-ce que tu penses que ton expérience plateau influence ta vision du JDR ou c'est bien séparé? Alors maintenant, oui. À l'époque, non, parce qu'à l'époque, je fais vraiment que du jeu de rôle et pas encore beaucoup de jeux de plateau. Maintenant que je fais du jeu de plateau depuis de nombreuses années, quand j'écris du JDR, même du scénario, j'ai forcément cette espèce de biais où je réfléchis en termes un peu de mécanique de jeu de plateau, quoi. J'ai écrit un jeu qui est resté sur mon disque dur pendant le confinement. Et très clairement, il y avait des morceaux de jeu de plateau pour mettre en scène la partie mécanique et j'aime bien ça, quoi. J'ai aussi écrit pas mal de scénarios pendant une époque, notamment pour Falkenstein, qui utilisaient des jeux connus dans un moment du scénario. L'exemple le plus parlant que j'ai, c'était un scénario de Falkenstein où tu te retrouvais à voler un prototype d'avion. Et du coup, j'utilisais un jeu qui était sorti à l'époque, qui s'appelait Wing of War, qui permettait de gérer des combats d'avions avec des petites figurines. Ça serait l'équivalent aujourd'hui de X-Wing, tu vois, mais c'était le même principe il y a longtemps. Et pendant le scénario, à un moment, bah, je sortais la boîte de ce jeu d'affrontement, qui était un jeu de plateau avec des figurines. Et je disais, bah ouais, sauf que là, c'est vos personnages de jeu qui sont dans l'avion, donc si vous faites descendre, ça ne va pas bien se passer, quoi. Donc j'ai souvent fait comme ça des trucs où j'utilisais des morceaux de plateau dans des scénarios ou dans des. Parce que je trouve que c'est cool, ça amène un truc nouveau que tu n'as pas forcément l'habitude de voir et qui casse un peu le rythme. J'aime bien ça. Ouais. Ouais, bah du coup, j'en ai profité pour mettre aussi le visuel du médaillon Ouais, tu vois, il y avait du soit un petit jeu. morceau de puzzle, soit des trucs très très simples. Là, forcément, dans Petite Sorcière, c'est des trucs très très simples. Mais j'avais utilisé le tangramme aussi, tu sais, pour faire de la résolution d'énigmes avec un tangramme. Il fallait la clé pour ouvrir la porte. Du coup, tu avais de la manipulation physique et ça, bah ça forcément, ça, c'est des trucs que tu retrouves beaucoup en jeu de plateau. Tu as du matériel et tu le manipules et il y a ce plaisir tactile aussi d'utiliser autre chose que lancer des dés et un crayon papier que tu as dans la plupart des jeux de rôle, quoi. Et pareil, il y a plein de jeux de rôle depuis qui sont sortis là, notamment sur la série D, qui utilisent du matériel un peu innovant, on va dire, pour le jeu de rôle, quoi. Je sais plus, il y a ce fameux jeu où tu joues avec des bougies là qui s'éteignent au fur et à mesure. Et tu as le jeu d'horreur, je sais pas si vous avez joué, je sais plus, c'est Dread, le jeu d'horreur où tu joues avec une tour de Jenga aussi. C'est ça. Ouais. Et ouais, ça, je trouve ça super intéressant, en fait, ce Mais il mix y avait aussi, comment il matériel. s'appelle, Guillaume Tavernier qui avait fait Aventure en Austerion, où une partie Ok. des combats se faisait avec des cubes en fait qui s'empilent comme du Jenga, quoi.
Ouais, tu vois, je trouve ça super intéressant. Et c'est pareil, à nouveau, ça marche encore plus avec les enfants qui sont super sensibles à la manipulation du matériel. Du coup, Bonsoir, d'aventure, Jean-Paul. justement, le type d'aventure qu'on joue à Petite Sorcière, Alors on souvent, l'a compris, c'est comme tu dis, c'est un monde un peu doudou, c'est un monde un peu feel good, et c'est très bien, hein. Et donc, du coup, quel genre de petits défis on va relever dans ce Alors, monde? ouais, y a des problèmes, c'est jamais des problèmes très très graves, hein. C'est vrai que ça, on ne traite pas de sujets lourds, hein. Clairement, c'est pas le but. Donc c'est plus donner un coup de main aux adultes du coin qui ont un problème. Il y a un scénario où il y a le lait des vaches à tourner à cause de lutins farceurs, donc il faut identifier le problème et le résoudre. C'est vraiment des choses. On vient en aide, souvent on vient en aide aux adultes. Il y a aussi ce truc que j'aime beaucoup qui est. On joue des enfants qui ont un vrai impact dans la vie des adultes, que je trouve super intéressant comme trope, quoi, que ça soit qu'on voit le bénéfice de côtoyer des enfants sur la vie des adultes. Je trouve que c'était assez intéressant. Je pense que pareil, c'est des choses qu'on doit retrouver maintenant, qui ont été exploitées dans d'autres jeux, mais j'aime bien cette idée. J'ai toujours bien aimé cette idée de mettre en avant ce que peuvent apporter les enfants au monde des adultes et pas toujours. On est dans un monde d'adultes et les pauvres enfants sont ballottés à gauche, à droite et suivent le mouvement. Là, il y a vraiment l'idée que les enfants peuvent être plus malins, plus débrouillards, et c'est eux qui viennent aider les adultes. Et ça, c'est vraiment un des postulats de départ que j'ai bien aimé mettre en scène. Très bien. Alors, moi j'en profite hein, parce que je viens de me rappeler que Matago nous a envoyé des petits trucs, quoi, tu vois. Ah, Donc j'en profite, quoi. Hein. Ah, tiens. bien sûr, vas-y, vas-y. C'est vrai qu'on a plein d'illustrations et de petits machins, quoi, quand même, tu C'est chouette, hein? vois. C'est bien de s'en rendre compte pendant l'interview, ça peut Moi, aider. j'ai regardé, j'ai des choses aussi. J'ai les Allemands, ils avaient fait un écran, tu vois, et pareil, ils avaient. Ah, ouais, sympa aussi. Ça, c'est dans la version allemande, donc c'est tout en allemand derrière. Et il y Bon, avait bah, une tout en belle allemand. carte aussi, je ne sais pas si Ah. Matago va la publier, tu vois, il y avait une belle carte aussi qu'ils avaient fait du pièce monde, ça, je peux montrer. Hop! Ah, ouais. Forcément, tu as la carte recto verso avec voilà, le côté un petit peu plus sketch. Je la montre à l'envers. T'as-tu à l'envers ou pas? Je vois pas avec Oui, t'es à le. l'envers. Ouais. Ça, pareil, bon, elle est en allemand, ouais, mais voilà. Ah, Sean. Voilà. Très belle. Je parle absolument aucun mot d'allemand, mais voilà. C'est pareil. Enfin, à part trois trucs, mais bon. Voilà, quelques illustrations. J'en profite, hein. On montre un petit Non, mais peu. les Hop. illustrations d'Arnew West étaient tout à fait. Enfin, voilà, sont toujours vraiment, vraiment Là, top, je la top. revois, celle-là, tu as un gros clin d'œil à Toriyama aussi, les singes, là. Ah oui, je Donc, confirme. clairement, un air de singe d'Akira Toriyama. Un joli pirate qui Ah, il y avait des rappelle pirates. quelqu'un. J'adore les pirates, moi. Donc, forcément, à un moment, il y a une île du côté face qui est un peu une île où il y a des pirates, quand même, parce que bon, c'est chouette, les pirates. Ok. Ça, c'était les PNJ qui illustrent les règles. Ouais, il y a trois personnages Fantôme. pré-tirés qui illustrent les actions dans le jeu. Voilà, ça, ok. Ça, c'était le truc des steppes. L'archipel des steppes, voilà, il y a des yourtes et des yaks Ah qui font. ouais, les plantes qui font de la musique, la classe. Et d'ailleurs, John Graff a écrit pas mal de trucs à l'époque aussi, hein, sur Ouais, pour The exact, Trouble, il exact. avait écrit des archipels, des choses, il avait écrit pas mal de trucs sur le jeu, je me souviens, à l'époque. Oui, on a une jolie palette de couleurs. Oui, effectivement, oui, bah, ça va avec l'univers, j'allais dire. Hein. Ouais, clairement, ouais. Un petit massage. Ah ouais, je veux bien, La et alors fatigue, tu le... veux, Oui, non, Fred, mais quand oui, tu veux. c'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Je crois que c'est moi qui en ai besoin. En passage, donc, Pascal, le collègue belge. Donc, bon, il adore le jeu, ça, c'est clair. Ouais, là, il essaie de voir avec Matago pour que les boutiques en Belgique, ça se passe bien et tout. Parce que c'est vrai que quand on est en Belgique, c'est toujours un peu compliqué quand on veut pledger en France. Surtout Ouais, au bah, niveau du j'imagine, port. c'est quand même. Pour envoyer régulièrement des colis en Belgique, je sais que c'est vite cher, quoi. Oui, c'était un lapsus, Pascal, effectivement. La fatigue, tout ça. Bon, bref. Voilà. Ah, toi, tu t'en sers pour faire du Harry Potter. Ah ouais, effectivement. Ouais, mais tu vois, Ah c'était ouais. alors c'était pas avant Harry Potter parce que les bouquins étaient sortis à l'époque, je pense. Mais en tout cas, je Ouais, connais ouais. pas. C'était pas le phénomène que c'est toujours aujourd'hui, Je quoi. pense que Enfin, ça c'est existait, ouais, nouveau. déjà. Ouais, je Je crois, ouais. Mais... Ça commençait, ouais. Je connaissais pas Harry Bah, Potter. déjà, Non, vraiment, t'avais pas les le films, mine de problème, rien. c'est que. Ah bon?
Ouais, Ah t'étais déjà oui, dessus. les films. Oui, ok, Ah bah non. oui, c'est Bah, c'est début quasiment. 2000, ouais, je crois. Hein, c'est début C'est 2000. 2001, hein, je crois, c'est juste Ah, ok, après ouais, Le Seigneur bah, des je vois Anneaux. Hein, comment je donc, suis sorti en 2001. Ouais. Donc j'étais juste avant Harry Potter. Bon, j'en ai pas vendu autant qu'elle, mais. Des films, hein, parce que les romans Ah oui, cartonnaient les déjà. livres, Hein. c'était encore avant. Ouais, non, Oui, oui, oui. je n'avais pas lu Harry Potter à l'époque. Moi, c'était vraiment le studio Ghibli, quoi. Hein, Qui est la petite et... sorcière et puis Terre-Mère, moi, pour moi, pour les îles avec les sorciers. Mais bon, Ouais, mais c'est autre chose. qui n'était pas sorti, je pense, à l'époque. C'est sorti Non, après. il est sorti après, ouais. C'est vraiment que les premiers longs métrages. Ouais. Bah, Kiki, c'est. T'as la musique, quoi, déjà. Pff, oh. Bon, bref, ouais, tout est bien, quoi. Bah, c'est clair, c'est clair. Ok, bon, tout ça, c'est super, on est très content. Est-ce que ça nous dit que tu vas refaire du JDR en termes d'édition, de manière plus régulière maintenant? Ouais, j'aimerais bien, je t'avoue que j'aime bien. Donc moi j'ai recommencé à jouer à la sortie du confinement, on en a déjà parlé, hein, mais j'ai recommencé à jouer pas mal, à racheter beaucoup trop de livres que j'ai à peu près le temps de lire, c'est déjà chouette. Et je réécris un peu, mais pareil, je suis pas capable d'écrire un gros livre tout seul, sachez que je suis incapable de le faire. Donc j'ai surtout retravaillé sur du scénario. J'ai travaillé sur ces scénarios pour les jeux de copains. J'ai travaillé sur Chronique de l'étrange pour Romain. Un petit jeu qui est fait par des copains qui sort bientôt qui s'appelle The Heist, un truc de Ouais, cambriolage. C'est un de Théo scénario. Rivière, ouais. Ouais, de Théo qui fait du jeu de société, qui est un bon copain, forcément, qui m'a demandé de faire un scénario pour ça. Avec Gabriel Durnerin, qui se trouve être le responsable de projet de Playpunk, ma société d'édition. Donc c'est des gens. Pas mal de rôlistes en fait dans les board gamers que je fréquente, quoi. Et j'ai écrit aussi pour Nock des Merry Mushmen d'Éric Nieudan, qu'on connaît aussi depuis toutes ces années. Donc là, et notamment là, j'ai écrit des aides de jeu, dont une ou deux qui sont un peu des aides de jeu inspirées board game sur comment utiliser des mécaniques un peu de jeu de plateau dans la résolution d'action pour de l'OSR, quoi. Donc ça, c'est donc vraiment des petits trucs. Et là, j'ai un scénario que j'aimerais proposer à Merry Mushmen, qui est un module OSR complet. Donc là, déjà un truc un peu plus gros, mais bon, ça reste plus petit qu'un jeu, sur lequel je travaille vraiment au goutte à goutte, parce qu'en fait, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Et je trouve qu'écrire, c'est compliqué. Il faut vraiment avoir la disponibilité d'esprit sur une certaine durée pour avoir le temps de vraiment être productif. Donc c'est vraiment par petites gouttes. Et si j'ai le courage, trier toutes les pages que j'ai écrites sur l'univers que j'ai créé pendant le confinement, là, que j'ai juste joué en famille pour le tester, qui est aussi un truc un peu feel good, mais assez différent, qui sera un peu l'étape d'après, quoi. C'est un univers un peu plus important, un peu plus complexe, mais qui reste dans ce genre d'univers où je suis quand même à l'aise, qui n'est pas du tout des trucs dark avec des problématiques et des choses très graves à gérer, parce que c'est vrai que j'ai. C'est pas le. Quand je fais du jeu, en fait, j'ai envie que ça soit cool, que j'ai pas envie que ça me rappelle, que ça soit plus lourd que les problèmes de la vie quotidienne. Donc j'aime bien jouer des trucs plutôt légers, plutôt fun, et sur des thématiques assez légères, quoi. Très bien. Oui, et bah du coup, voilà, tiens, on nous pose la question. Ben oui, évidemment. Le peuple veut savoir. Ben oui, on l'aime ce jeu, on l'aime d'amour. Voilà. Avec une spirale. À Oui. la demande express de moi-même, ben je voulais que. Parce que je trouve que c'est chiant quand les livres restent pas ouverts quand tu cherches des choses, quand tu mènes. Donc c'était un jeu à spirale volontairement. Ça n'a pas fait super école. Ben non. C'est dommage d'ailleurs, c'est une bonne idée, je trouve. Je pense parce que ça fait au niveau quali, ça fait peut-être pas. Pourtant, je trouve ça tellement pratique, quoi. Je pense Et que le problème. Ouais. tu le Vas-y, Fred. retrouves sur des trucs de plan. Ouais. Ouais, Parce que peut-être pour les maintenant. poser à plat, ouais. Parce que je pense que le problème, c'est les gens, ils aiment bien avoir le dos dans leur bibliothèque, en fait. Ouais, il y a sans doute de ça aussi, donc c'est dommage. Et alors, c'était la même équipe, hein, alors il y avait donc Cédric Chaïolle, et illustré par Arnie West, il y avait même une carte postale en plus, avec les reflets, je ne sais pas si on voit Ah, bien. la vache. Et mise en couleur aussi par Albertine Ralenti, là, qui a fait ce super. Bah, c'était un super jeu. C'est la meilleure version de Werewolf l'Apocalypse pour moi. Il y avait clairement un peu d'inspi Werewolf, hein. Il y avait cette même idée que c'est eux Inspi, qui ouais. règlent les problèmes de l'humanité un peu en discret parce qu'on ne peut pas compter sur les humains pour gérer ces Ouais, et propres puis problèmes. qu'ils sont divisés en espèces de clans, tu vois, Il y a des clans, il y avait il y a des cette clans de idée-là. rivalité. D'ailleurs, les clans étaient très très drôles, tu vois.
Ouais, il y a les bricolopins qui font des avec à base de bêches et de brouettes qui font des inventions. Il y avait pas mal de, il y avait pas mal de choses. J'aimerais bien que ce jeu ait une chance de réexister. Pour le coup, j'ai plein de bons souvenirs là, quand je le refeuillette. Bah écoute, tu m'appelles Et Antoine, hein, tu malheureusement, sais. est-ce que on disait avant Tu m'appelles, hein, il est sorti au moment où le tout petit éditeur de l'époque en fait a fermé la boîte, donc il est parti directement dans un. Il y a eu 500 exemplaires et je pense qu'il y en a la moitié qui sont partis dans un stock qui est peut-être encore quelque part. Donc si vous en avez un, il faut le garder précieusement parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup en circulation. Mais ouais, c'était chouette. Le jeu en plâtre premier prix, voilà, c'était la tagline. Parce que du coup, t'avais pas des points de vie, tu avais des points de plâtre. Donc tes nains Ben pouvaient oui. s'aligner forcément quand ils tombaient et tout. Voilà. Il y avait plein de choses bizarres et saugrenues dans ce jeu-là. Mais effectivement, le jeu qui s'en rapproche le plus, c'est sans doute Werewolf, quoi, avec le côté écologie et les clans qui œuvrent pour ça, quoi. Alors, moi j'en profite parce que bon, on avait préparé avec quelques petites questions hein, l'entretien de ce soir. Et comme les gens de Matago n'ont pas pu être là ce soir, donc ils m'ont répondu par mail. Donc je vais vous lire deux, trois petites choses hein, quand même pour préciser. Alors les contreparties, bon, ben ça on l'a rappelé. Hein. Et c'est vrai que c'est plus pratiqué, je trouve, par des éditeurs de jeux de société pour le 50-50 boutique. Dans le milieu de jeu de rôle, pas trop. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, mais pas tout le monde, effectivement. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais t'as raison, c'est plus un truc de. Ouais. Ouais. Moi, je t'avoue Mais qu'en je. jeu de rôle, j'en ai même jamais entendu parler. Enfin, c'est une Je découverte pour moi. Moi, je ne suis l'ai pas très déjà jeu de vu. plateau. Ouais. J'ai déjà vu, et je t'avoue que j'ai plus les noms en tête, mais il y en a deux, trois hein, qui sont passés par ce mode de livraison. Ouais. Mais bon, je les retrouverai, voilà, on en rediscutera en off, quoi. Alors, pour les paliers, comme ils disent, ils n'ont pas prévu de paliers parce que les délais de production sont serrés. Et que bah, si tu fais des paliers, des rajouts, des machins, bah, forcément, ça impacte la prod. Hein. Un peu classique. Ouais, bien sûr. Voilà, Tu vas donc ils faire ont prévu. les grosses prods avec des paliers partout, mais il y a un moment où il faut aussi proposer on va dire un écrin qui est à la hauteur et qui n'est pas au-dessus des prétentions du jeu aussi. Donc là, enfin, Ouais, on n'est pas dans le jeu où il tu va peux y prévoir avoir des voilà, tu dois prévoir des paliers, mais voilà, c'est ça. Tu peux avoir des paliers, mais il faut que ça rentre dans tes délais de prod, etc., sans que ça fasse tout exploser, quoi. Donc ça, ok. Et t'as des lieux, bah, eux, ils sont très satisfaits du déroulé de la campagne, bah, comme toi, hein, d'ailleurs. Donc, comme ils disent, ça s'inscrit dans le retour de Matago au jeu de rôle. Ces Ouais. jours de la fin, ils sont à 200, ouais, quelques, à 240% de seuil de financement, plus de 160 contributeurs. Dans leur souhait, ils espèrent dépasser les 200, parce que, bah, comme on le sait, hein, à l'impression, généralement, on multiplie par 3 ou 4 pour voilà, avoir un peu l'état du stock. Donc, effectivement, 200, ce serait vraiment très cool. Et pour la suite de ce qu'ils aimeraient, alors je ne sais pas s'ils comptent développer Petite Sorcière, ça c'est pas marqué. Mais déjà, c'est d'abord de livrer dans les délais, voilà. Et de revenir un peu plus sérieusement dans le jeu de rôle, même s'ils l'avaient déjà fait, en s'associant avec Aquileos, hein, qui édite déjà Dungeon Crawl Classic et peut-être un jour Svayander. Ok, ça je connais pas. Voilà. Qui sont à Bordeaux, effectivement. Et qu'est-ce que je disais? C'est Root, le jeu de rôle, qui a relancé Matago dans le jeu de rôle. Parce qu'effectivement, avant Matago, il y avait ce que tu disais, puis après, ça a basculé chez Open Sesame Games, Metal Adventure, etc., et les Champs de Ouais, Ross. c'est eux qui gèrent la VF de tout ce qui est jeu de plateau route, et c'est déjà une belle gamme. Et du coup, Ouais. naturellement, ils ont fait la VF de route qui est très très chouette. Moi, j'ai Ouais. la VF. VO, les bouquins sont chouettes. Déjà, ils sont chez Chouette, et puis tu t'attends pas à avoir un jeu de rôle sur cet univers un peu Ouais, c'est complètement marrant. pété, quoi, en plus. Ouais. J'ai lu les bouquins et c'est du PBTA en plus, donc c'est C'est assez ça. surprenant. Ça marche plutôt, ça a l'air chouette. J'aimerais bien avoir l'occasion d'y jouer. Voilà, donc bah, ils espèrent voilà, que bah, revenir comme il faut dans le jeu de rôle. Donc voilà, je vous ai lu leur petite réponse. Voilà, ça c'est fait. Donc merci à eux en tout cas d'avoir répondu juste quand il fallait, donc avec les quelques visuels. Parfait. Et c'est vrai qu'ils sont beaux les visuels, hein, tu vois, regarde un peu les bouquins. Bon, bah, c'est voilà ce qu'on avait vu. Hein. Et avec les signalétiques de jeux de plateau. Ça c'est bien, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas ça sur tous les jeux de rôle. Tu les vois sur les boîtes principalement. Et sur les livres, pas vraiment, hein. Ouais, t'as raison, c'est vrai que je fais même pas gaffe. Moi, je suis tellement formaté par le jeu de société que j'ai Eh l'habitude oui, mais de dans voir le jeu de rôle, hormis les boîtes, bah, tu ne le vois pas. Tu vois pas ces logos-là. C'est un peu con-con, je trouve, parce que je trouve que ça parle en plus directement aux gens qui veulent acheter, quoi. Parce que quand tu vas en boutique de jeu, bah, t'as principalement du jeu de société. Donc si ton jeu de rôle, il prend les mêmes codes, c'est plus facile. Enfin, bon, après.
Je suis pas un spécialiste du marketing, hein, ça se voit. Donc voilà un petit peu les différents mock-up, comme on appelle ça, avec la maquette et tout qui va bien. Bref, voilà, voilà. Je regarde s'il y a des petites questions. Il y avait Tribute, mais oui, voilà, c'était Tribute, c'était Raffio Fringant, Christian Grussi. Merci, Pascal. C'est Christian Grussi, effectivement, qui avait fait ça, avait un financement moite-moite avec les boutiques. Ouais, ouais. Ok, ok. Ça lui tenait à cœur, ouais. Voilà, écoute, je pense qu'on est pas mal. Donc, je pense qu'on est, on est bien même, à moins que tu aies d'autres choses à voir, Manu. Non, non, mais écoute, je pense qu'on a fait un bon tour sur ce jeu qui mérite vraiment d'être découvert, redécouvert pour ceux qui le, voilà, et découvert pour ceux qui ne l'ont pas connu à l'époque. Voilà. Et puis, Antoine, on espère effectivement donc voir ta signature dans plus de jeux de rôle, dans plus de, voilà, sur plus de contributions. Voilà. Ouais, écoute, c'est... j'essaye, petit à petit, il faut libérer du temps. Organisé, mais déjà je rejoue régulièrement. Je joue ce soir d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit on enregistre oui. 7 à 8, parce que moi à 8h30 c'est campagne impériale Warhammer. Quoi. D'accord, mais j'allais te demander à quoi tu joues du coup depuis que tu t'es remis au JDR, donc ça répond à ma question. Tu joues à Warhammer? Ouais, je rejoue. Alors j'ai fait jouer pas mal de trucs indés et là je refais la campagne impériale que j'ai joué il y a 20 ans aussi, dont je me rappelle absolument rien parce que j'ai une mémoire déplorable. Et, avec les règles de petite sorcière. Non, avec la nouvelle édition, les règles ne m'ont pas convaincu d'ailleurs, mais bon, bref, ouais, il y avait 4, plus ouais. De règles qu'avant, là où je préfère qu'il y en ait moins. Mais... Oui, on, mais tu on vois, on fait de la pub. Que l'univers et le scénario sont chouettes, donc après les règles, je m'en fiche un peu. Ouais, j'avais juste pas montré. Ouais, mais... j'ai joué pas mal d'OSR en fait, j'ai plutôt redécouvert ça, j'ai plutôt passé du bon moment. Et j'ai refait jouer un peu de Château Falkenstein, forcément, que j'aime beaucoup. Je suis retombé sur des classiques. Et puis là, je joue à Donj aussi, tu vois. Donc, Donj 5 éditions, le classique, et c'est aussi cool. Donc, ouais. j'aime bien varier. J'ai pas de. Je joue à tout. Pas des trucs. Je joue pas à des trucs en ambiance très très lourde, parce que c'est pas à part ça. Mais sinon, oui, reste... c'est ce que j'allais te dire. C'est pas trop ton style d'aller. Pas de cult. Ouais, je joue pas à cult et des trucs comme ça très très dark. Non, c'est pas mon trip. Ouais, il y avait juste les. Enfin, j'ai pas montré la partie frais de port, donc pour terminer sur la page du financement. Donc, bah, comme ça, tu vois, nos amis belges sont à la même enseigne que nous, francophones. Donc, 9 euros. Voilà. Effectivement. Et donc, comme on disait, la livraison, etc., prévue. Donc, chez tout le monde. Je regarde, on va au backer. Plutôt octobre pour les. Ouais, c'est ça. Fin septembre, début octobre pour la France, Suisse et Europe, les boutiques, enfin plutôt mi-octobre, fin octobre, etc. Quoi. Donc voilà, c'est ça que j'avais pas remis. Voilà, pour clôturer sur la page du financement. Et je sais que j'avais une autre question, mais alors là, on sort complètement de comment ça s'appelle, de Matago, de Petite Sorcière, du jeu de rôle et tout. Juste pour te dire que Captain Flip, ça déchire, quoi. Il est trop bien, ce jeu. Voilà. C'est une valeur sûre. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, c'est incroyable. Parce qu'on l'avait chopé à Cannes, hein, voilà, ouais. Quand on avait pu avoir la boîte. Ouais. Et je pense qu'on fera une vidéo dessus, hein, parce qu'il est vraiment très très bien, quoi. On l'a signé. Je comprends. Hein. La moitié du pitch, dans notre tête, on l'avait signé déjà. Ouais, puis j'ai vu la petite chronique, hein, dans le dernier Canard PC jeu de plateau, où ils te disent carrément ça a de la graine d'un as d'or. Carrément. On n'en est pas là, mais on est très content de l'accueil. L'accueil en France est vraiment super, super bien. À Cannes, comment... ça partait comme des petits pains. Ah oui, oui. Ah oui. En France, ouais, vraiment, on est très content. Là, c'est le deuxième tirage qui est dans les boutiques, et le troisième a déjà été commandé par notre partenaire en France. Donc on est. Là-dessus, on est content. On attend de voir comment ça va se propager. Il vient tout juste d'arriver sur le continent nord-américain cette semaine-là, donc on n'a pas encore de, vision à l'échelle mondiale qu'on a vraiment. On va voir, quoi. On est impatient. Et t'avais le prochain, je crois, il me semble, qui devrait plus tarder. Là, vous êtes dessus déjà. Pareil sur le prochain jeu qui s'appelle Zenith, qui est un jeu d'auteur français. Qu'au début, on voulait sortir à Essen en octobre, mais on ne sera pas à l'heure. Donc, je pense que ça sera à Cannes l'année. Voilà. Ouais, je pense qu'on sera bien à Cannes, on aura notre stand. En plus, c'est des auteurs français, donc ils seront là. Parfait, on sera là aussi. Je pense que le plan B, ça va être de sortir à Cannes pour se donner le temps de fignoler tout comme il faut. C'est Nayad qui fera les illustrations pour celles et ceux qui connaissent. Qui est déjà en train de les faire.
d'ailleurs, il a commencé à bosser parce qu'il y en a, quelques-unes. Et puis voilà. Encore un jeune illustrateur qui débute après Tokaido, quoi. Ouais. Bah, moi, je le connais ouais, depuis, forcément depuis super longtemps. Donc, ça faisait vraiment plaisir. On avait envie de bosser avec lui. Et il n'a jamais fait de SF, en fait. Donc, il était super motivé pour bosser dans un univers qu'il n'avait pas encore exploré. Donc, c'était cool, quoi. Ça va être chouette. Excellent. Bah, en tout cas, bah, merci à toi d'être passé. Bah, merci à vous pour le temps de parole et d'accueil. C'était cool. Ouais. Avec plaisir. Ouais. Quand tu veux, tu es toujours le bienvenu. Ah oui, il y en aura sûrement d'autres. Hein. Et puis bon, bah, du coup, on verra pour Nain Jardin pour le prochain pour toi. Et puis bah, pour les prochains Matago aussi. On verra ce qui arrive chez eux. Ils nous ont donné quelques petites pistes de réflexion. Donc ça promet d'être assez sympa de leur côté aussi. Voilà. Okay, cool. Et bah, bonne soirée de monde, du coup. Ouais. Juste, je me mets sur la. Voilà. Bonne partie à toi. Bah oui, le générique de fin quand même. Bon Warhammer. Ouais, merci. Bon Warhammer. La vidéo sera rediffusée sur YouTube dès demain midi avant l'hebdo. Vous partagez, okay. Vous likez, vous commentez, on vous fait des bisous, on vous aime. Et à tout à l'heure pour l'hebdo. Tout à l'heure. Ciao. Bye.